Après ce premier essai concluant, nous passons au prix Ampère de l'électricité de France. En 1974, Électricité de France a souhaité créer un grand prix montrant son attachement au développement des recherches scientifiques et leurs applications. Nous les remercions pour leur soutien indéfectible. Ce prix porte le nom de prix Ampère Électricité de France en l'honneur du grand savant que fut Ampère, élu membre de notre compagnie en 1814. Ce prix est destiné à récompenser un ou plusieurs savants français pour un travail de recherche dans le domaine des sciences mathématiques ou physiques, fondamentales ou appliquées. Il est remis cette année à Franck Merle. Donc le représentant d'EDF aussi peut venir nous rejoindre, Jean-Paul Chabard. Alors, Franck Merle est professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, titulaire de la chaire d'analyse Cergy Institut des Hautes Études Scientifiques, IHES. Le prix est décerné donc à Franck Merle, l'un des meilleurs experts au plan mondial de la théorie des équations aux dérivées partielles non linéaires, notamment en ce qui concerne l'apparition de singularités. Ses résultats les plus spectaculaires portent sur la description précise du type d'explosion des solutions d'équations de Schrödinger non linéaire, de Korteweg-de-Vries dans le cas d'une non linéarité critique, l'existence globale et la diffusion ou au contraire l'explosion des solutions en temps fini pour des équations d'ondes non linéaires, la dynamique et l'interaction des solitons pour l'équation de Korteweg-de-Vries quartique. Les idées nouvelles et les techniques qu'il a introduites, non seulement pour obtenir les résultats précédents qui semblaient inaccessibles il y a peu, mais aussi pour attaquer bien d'autres questions, sont désormais largement utilisées. Franck Merle.